Merci de nous dire votre nom. Mon nom que je ne connais pas tout le monde, c'est Tigana. D'accord. Vous avez pu identifier la victime, dites-nous, il est pas pour vous. C'est la femme de la jeune sœur, de ma belle-sœur. Qu'est-ce que vous avez constaté ici? Quelles sont les informations dont vous disposez? Il avait une maladie qu'on appelle en soussou, Boya. C'est là qu'on a lancé sur lui. Bon, maintenant, il est venu de Kamsa. On a appelé le guérisseur. Il est venu, il a regardé que vraiment il y avait tous les boutons sur ses corps. Il a commencé au moins de le soigner ici. Mais parce que pendant qu'on ne peut pas trouver tous les médicaments, on est obligé de l'amener à Samu, de le traiter. Bon, il est parti là-bas. Bon, ils ont commencé son traitement. Ça allait un peu. Bon, avant-hier, on était parti pour l'enterrement d'un corps là. Je l'ai trouvé là-bas, il était malade, il fallait. Je lui ai dit bon maintenant que je suis l'embarqué parce qu'il n'y avait pas la place sur la bateau qu'on était. On l'a dit au moins de se l'embarquer, de hier, de venir à Conakry, de soigner, le palier après, de repartir. Dans ça que vraiment, s'embarquer hier de venir, il est venu à 0h, descendu ici, il était fatigué, il n'a pas pu rentrer à la maison. Nous sommes tout prêts ici. C'est ce matin-là, ils ont appelé à Kamsa, parce que l'air de Kamsa. Vous appelez les gens de Kamsa, c'est eux qui nous ont informé, soit il est là. Ce lui, c'est comment? C'est Mohamed. Il a quel âge? Bon, il a ses 24 ans. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié? Non. Pardon? Vous supposez que c'est sa maladie qu'il a emportée? Bon, il avait le panier. Parce que la maladie qu'il avait, ils ont commencé à le traiter. Mais le panier aussi est venu avant, je ne sais pas, c'était le jeudi. Bon, moi, je suis parti le dimanche, je l'ai trouvé là-bas, j'ai dit, bon, maintenant, s'embarquer de venir au moins, à 4h le palais, après je retourne. C'est dans ça que vraiment, il s'embarque de venir ici, à quelques kilomètres, à quelques mètres de chez nous. Il est décédé, en descendant. Celui qui s'est repris tout à l'heure, là, c'est ce qu'on l'a vu. Le qui était couché sur le dos, on a inspecté les lieux, on a visité l'environnement, on n'a pas trouvé des indices et sur le corps, il n'y a pas de traces de violence. Donc, du coup, nous avons laissé le soin à la médecine, au médecin légiste d'examiner le corps et nous remonter les corps. Il nous dit, selon lui, que le corps n'a pas subi de sévices corporels, mais probablement il serait mort, une mort naturelle. Alors, il a informé le procureur qui nous instruit maintenant d'amener le corps de la victime à la mort de l'hôpital national. Alors, est-ce que j'ai pu... C'est un ressortissant de Kamsa. Grâce à ces ressortissants-là, les riverains qui sont là, qui l'ont identifié, dit qu'il se nomme Mohamed Camara. Le célibat Camara, il me parle souvent. Alors, aussitôt, on a retrouvé tout à quelques mètres d'ici, ses parents, la famille proche. Ils sont là sur le Selon son frère qui se trouve à Kamsa, on l'a joint au téléphone. Il était malade, il avait des maladies d'habit. Et ça fait un mois, il est allé à Samo pour se faire traiter. Donc de là, il a eu une prise de palu. On l'avait informé de rentrer à Conakry pour se faire soigner auprès de ses proches qui sont là. Donc c'est sur cette raison qu'il a amené à Conakry. Certainement, il serait venu tardivement et que la maladie a eu des soucis de lui. C'est étalé sur le corps. C'est là-bas qu'il a fait ça. Merci.